how much we've done. Truth is, one person can matter. Look what ideas can become. Journey to our destination is what we remember today. Go celebrate. Et bonjour et bienvenue sur le live du mercredi de la Tortue Scrap. Bonjour, bonjour. Alors, qui est là? Je regarde si je vois les notifications, les commentaires. Bonjour Martine. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Ici, il fait déjà super, super chaud. Je viens d'éteindre la climatisation dans l'atelier parce que c'est déjà grosse chaleur, mais c'est super chouette. C'est l'été, ça y est. Coucou Sandrine. Allez, donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Christine, je suis la Tortue Scrap. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 10 ans. J'aime et j'adore même, je pourrais dire, les produits de cette marque. J'ai découvert le scrapbooking il y a une quinzaine d'années. Et je suis tombée, comme disent nos amies canadiennes, en amour pour la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel pour un mini-album. Mais vous pouvez me retrouver sur mon blog, mon Facebook, mon YouTube, mon Instagram, mon Pinterest. Vous pouvez partager tout ça et me retrouver sur toutes ces plateformes. Je vous souhaite la bienvenue et je vais vous montrer donc aujourd'hui ce que nous allons faire. Un mini-album. Je sais que vous aimez bien les petites structures un peu travaillées. Donc voilà ce qu'on va faire. J'avais envie de vous le montrer. J'ai adoré préparer ce projet. Et on va le réaliser ensemble. Donc si vous n'êtes pas dispo pour tout le live, ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez les mesures et tout ça. Je vais préparer un article sur mon blog. Et vous pourrez revoir le replay. J'ai des choses à vous raconter. Donc à partir de demain, le 6, le code hôtesse de juillet, il est marqué là, vous le voyez. Il va y avoir les jours gagnants. Alors attendez, je ne vais pas vous mettre celui-ci, je vais vous mettre celui-ci. Les jours gagnants, c'est obtenez des coupons de réduction, des bons cadeaux. À partir du 6 jusqu'au 31 juillet, toutes les commandes, alors vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux dans le mois, vous pouvez en faire une grosse, vous pouvez cumuler ces bons cadeaux. Pour toutes les personnes qui commanderont chez Stampin' Up pendant tout ce mois de juillet, à partir de 60 euros et cumulable, c'est-à-dire que vous pouvez multiplier les tranches de 60 euros, vous obtiendrez un bon cadeau par tranche, c'est-à-dire autant de bons cadeaux que vous aurez fait de commandes. Vous obtiendrez des bons cadeaux de 6 euros. C'est quand même un joli cadeau. Et donc, que je vous mette, hop, je ne sais pas si on le voit bien, vous pourrez les utiliser. Vous allez enregistrer un code, vous allez recevoir un mail avec un code. Il faudra les garder précieusement et vous pourrez les utiliser au mois d'août. Ah, voilà. Au mois d'août, vous pourrez utiliser. Alors, vous pourrez les cumuler. Vous pourrez les utiliser pour une commande et tous les mettre. Vous pourrez les utiliser sur plusieurs commandes. Vous choisirez votre façon de vous en servir, mais ce seront utilisables au mois d'août. Et pour être sûr d'avoir des bonnes nouvelles aujourd'hui, à partir de demain, vous aurez les exclusivités en ligne. Mais je crois que j'ai oublié de mettre
de mettre la fiche des exclusivités en ligne. Donc soit hop, soit je la mets j'essaye de la mettre hop. Si je l'ai, je vous la montre. J'ai oublié de la télécharger. Ça, c'est des choses qui m'arrivent des fois. Les exclusivités en ligne. Comme je les ai reçues depuis plus d'un mois, les exclusivités en ligne, j'ai oublié. Alors, la semaine dernière, je vous les ai montrées. Je vous ai montré les produits que moi, j'avais reçus. Demain, il y aura un gros réassort sur la boutique. Bon, je n'ai pas la fiche. On va pas se mettre la rate. Je vous la trouverai et je vous la mettrai en image. Il y aura les exclusivités en ligne et il y aura du réassort sur le coin des bonnes affaires aussi. Demain, la boutique va être exceptionnellement bien achalandée. Il va y avoir beaucoup de choses à aller regarder. Je pense pour celles qui n'ont pas l'habitude, qui n'aiment pas ça, vous faire une petite vidéo. Vous savez comme j'aime faire là pour vous montrer ce qu'il y a dans la boutique. Coucou Christelle, salut ma Brigitte, coucou Sylviane, je suis contente de vous voir là. J'ai pas vu s'il y avait d'autres personnes à qui je n'avais pas dit bonjour. Ah, il y a Sandrine aussi, tu es arrivée à la maison. Très bien, Catel, Véronique, Claudine, coucou les filles, je vous avais pas vu, c'était remonté dans les commentaires. Donc, je vous ferai des petites slides demain, je vous montrerai les produits qu'il va y avoir. On aura l'occasion vendredi de faire un petit live spécial sur ce que j'aurai reçu déjà. Et quoi vous dire d'autre? Est-ce que j'avais une autre info? Je perds un peu la tête. Non, non, la boutique en ligne à aller voir et tout ça. Donc je vous mettrai les infos. Allez, on passe sur les mains parce que le projet, il est quand même assez ambitieux. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Bon alors, pas de questions, pas de questions. Allez, regardez, j'avais fait deux versions. J'avais fait une version avec le nouveau grid et in-color. Ben, j'avais utilisé que les in-color. Ça, c'est la découpe de sortie à la pêche que j'aime bien. Voilà comment se compose notre mini album. On peut y mettre jusqu'à 4 voire 5 photos. On peut faire des cachettes 5, 6 même. Donc vous voyez, c'est vous qui l'agrémenterez comme vous le souhaitez. Donc là, j'avais bien mis la ficelle, j'avais mis la ficelle ici et je trouvais que c'était pas top. Et sur celui-ci, j'ai mis le ruban à l'intérieur là. Après le ruban, c'est pas nécessaire, on peut aussi ne pas mettre de ruban, il se ferme quand même pas mal. Vous voyez, de cette couleur avec le bleu que vous aimez bien, auberge de campagne. Coucou Catherine. Ah ben voilà. Allez au resto ma Catherine. C'est vacancier alors, c'est retraité. Hop. Allez, je démarre avec vous. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, évidemment, j'ai déjà préparé ma découpe de Allons à la pêche. Je la trouve tellement sympa. On peut mettre des petites photos à l'intérieur, mais pas que. J'ai sorti les roues de l'aventure parce que je me suis dit que peut-être je pourrais un peu le customiser pour Arthur avec ce set de tampons. Au lieu de... Bah, pas au lieu, mais en complément aussi de celui-ci. Parce que la boîte ancienne de chapeau de voyage, je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Alors qu'une trottinette ou un vélo, ça pourrait être plus parlant. Voilà, donc j'ai sorti celui-ci. Et là, j'avais bien aimé... Vous allez dire pourquoi elle a sorti celui-ci. Parce que derrière, j'avais mis comme un petit custom... Derrière, ensemble, tout au long de la route. Je trouvais ça sympa. Oui, moi aussi, Claudine, je préfère le ruban sur le côté. C'est bien plus pratique que le ruban dessus. Ça marche pas trop bien. Mais c'était mon premier prototype. Donc, il a eu le mérite de me montrer ce qui n'allait pas.
Est-ce que vous entendez un sifflement dans l'atelier ou dans le micro ou dans la vidéo? Je ne sais pas si c'est la chaudière qui siffle pareillement, mais depuis ce matin, j'ai un sifflement hyper désagréable dans l'atelier. Claudine, regarde, et tu en seras récompensée au mois d'août. Tu recevras des bons d'achat à chaque fois que tu auras commandé au mois de juillet. C'est pas beau ça? Ça fait plaisir quand même. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. L'année dernière, on avait eu les cadeaux de la SAB. Cette année, ils changent. Ils ont remis les coupons gagnants. Je trouve que c'est pas mal aussi, les coupons gagnants. Pour les démonstratrices de mon équipe mais les autres aussi, hein. Grâce aux bons gagnants que vous aurez eu, vous pourrez préparer une précommande du nouveau catalogue qui arrive au mois d'août un petit peu plus conséquente. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Allez, donc on va changer de couleur. Je sors vraiment de ma zone de confort aujourd'hui. Je prends Corail Calypso. Oui, c'est pas ma couleur préférée, je sais. J'ai envie de travailler Corail Calypso parce que je sais pas pourquoi je l'aime pas. Donc je vais la travailler un peu plus. Vous avez vu, j'ai mis des post-it pour savoir combien je dois couper. Donc on va garder la feuille en entier qui fait 29,8 ou 9 ou 7. Et je vais découper une bande dans la hauteur de 12 cm. Cette bande. Ah ben c'est parfait les filles, si vous entendez rien, ça s'est arrêté. Parce qu'alors moi ça m'a un peu contrarié, j'avais peur que ce soit de nouveau l'ordinateur qui fasse des siennes. Dans cette bande, on va plier à 10. Si le post-it dit bien. Oui, on va plier à 10 et on va plier à 20. Voilà, la structure est faite. Alors 20, vous voyez, grâce aux 29 et quelques, ça fait que c'est pas complètement. Peut-être que ça gêne ça. Est-ce que c'est mieux sans la lumière? Ça doit empêcher de la mise au point, je pense. Mais il fait plutôt trop soleil. Merci Sandrine, 29,7. Donc voilà comment se compose la structure. Et la bande qui nous reste là, qui fait 9 cm, on va la plier à 11. Pense que oui, on va la plier à 11. Je vérifie quelque chose pour voir que ça soit bien harmonieux. Oui, ça fait 12. On pourrait même la plier à 11 et demi. On va la plier à 11 et demi. Et normalement, on va la replier à. À 23 et demi. Il va nous rester ce grand rabat qu'on va découper avec un dice bordure et ça sera à 11 et demi. C'était un peu juste pour le 12, effectivement. Peut-être que le 11 aurait été mieux. Bon, on va faire avec, mais le 11 aurait suffi plutôt que le. Donc là, je vais hop, refaire mon trait. Voilà. Et je vais couper un petit peu ici pour que ça rentre bien comme il faut à l'intérieur. Donc faites plutôt 11 comme j'avais marqué au départ que 11 et demi parce que sinon ça fait un peu juste. Pour rentrer, voilà, il vaut mieux qu'il y ait un petit retour là. Voilà, ça fait plus harmonieux. Allez, maintenant on va choisir le papier. Donc je suis restée quand même sur ma collection Allons à la pêche et c'est pour ça que j'ai pris le Corail Calypso parce que je trouvais que ces petits hameçons
était assez joli et que ça irait bien. Que ça irait bien avec. En plus, ça faisait la sensation, ils étaient dans la boîte. Après, on peut y mettre les poissons. Il y avait une feuille avec des petits poissons. Il y avait. Alors, attendez. Je n'ai pas préparé mes découpes de papier. Je me suis dit que je le ferai avec vous. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de corail calypso à l'intérieur. Mais j'avais envie de. Oui, c'était pas quand même la couleur dominante. Allez. On va utiliser cette chute-là qui est très jolie. Cette chute-ci. Et est-ce qu'il y a une chute de petits poissons? Non, il n'y a pas de chute de petits poissons. Donc je vais en prendre une quand même. Parce qu'il y a du rouge à l'intérieur. Ça donnera. Hop. Oui, ce sera bien. Ouais, ce papier, moi je l'adore. Hein. Toutes les couleurs vont bien. Tout est harmonieux. Bon, je crois que même celui-ci, c'est ma préférée. Est-ce que ça va aller bien avec le corail? Oui, ça va aller bien avec le corail. Allez. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Coucou Béatrice. On va commencer. Si je regardais j'ai perdu le modèle. Ah, ils sont là. Donc oui, j'en avais déjà fait un comme ça. Oui, c'est pour ça que ça me plaisait bien. Non, je vais changer. Je vais changer, je vais changer. Je vais faire celui-ci et celui-ci. Est-ce que ça va pas faire un peu fade? Oh, si, ça va faire un peu fade. On va faire que des petits. Allez. Donc, on a fait des pages de 10 par 12. Donc, on va faire une bande de 9-6. Et on va faire 11-6 trois fois. On va coller comme ça, ça fait le petit rappel. 11-6 deux fois et l'autre il faut la faire un petit peu plus petite puisque elle ne fait que 9 est-ce qu'on la customise différemment? Oui, ça peut être sympa pour pas gâcher du papier. Allez, regardez. Une petite astuce que j'aime bien. Avec ma perforatrice ronde, j'aime bien arrondir les angles parce que j'ai plus de perfo qui fait les angles ronds. Donc, si je me mets avec ma perfo, je rentre le papier à l'intérieur. Vous voyez. Hop. Je fais un peu des bêtises. Voilà. Et ça me fait des petits angles ronds. Tout bien. Et tout identique. Voilà. Je vais faire aussi les angles de mes papiers, comme ça c'est assorti, c'est fait avec la même taille. Alors, elle est moins pratique, je vous l'accorde, que ma perforatrice sur angle qui n'est plus, mais ça fait quand même le job. Donc oh, j'ai fait les angles de partout alors que
Je n'avais pas besoin de les faire de partout. C'est pas grave. Je vais coller ici. Et ici, je vais le raccourcir. Et je collerai le dos un petit peu plus petit. Voilà. Je me suis enflammée en vous parlant. Oui, tout à fait. Et oui, les bateaux, les poissons, moi j'aime bien la mer. Vous savez que je suis native de ça. Ah, on oublie le ruban. Est-ce qu'on met un ruban ou pas? Bon, sur celui-ci, on va pas mettre de ruban. Sinon, évidemment que c'est à ce moment-là. Je fais que chercher le modèle. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais... C'est à ce moment-là qu'il faut mettre le ruban. Il va falloir le mettre sur celui du dos et sur celui de devant. Si vous faites comme sur celui-ci, j'ai oublié de le mettre sur celui de devant, donc ça a été un peu embêtant. Et oui, Claudine, si tu n'as pas de petite perfo angle, tu peux avoir une petite perfo ronde qui va faire le job. Alors là, je l'ai fait un peu. Je ne l'ai pas bien réalisé. Je vais la ranger un petit peu. Voilà. Après, avec les ciseaux, vous savez, on y arrive aussi. Hein. Tout est possible. Donc, hop. Comme je sais que vous l'avez bien aimé, cette collection. Donc, on ne collera rien. Donc, on ne mettra pas de ruban. Elle tiendra tout seul. On va préparer le petit bord, là, ici. Alors, soit, regardez, dans celui-ci de 7, il y avait cette jolie frise. Sinon, on prend une autre frise, bien sûr. Cette frise-là, elle est découpée et elle est embossée. Donc, je vais la positionner comme ceci. Je la colle avec un petit peu de masking tape. Et elle va découper et elle va embosser sur le papier. Ça sera très joli. Donc, je vais faire attention parce que je dois la faire passer, vous voyez, comme ceci, un peu de biais, et je ne vais pas la faire passer en entier. Je vais vous montrer. Je mets la machine ici. Donc, j'ai besoin de faire passer un peu de biais parce qu'il ne faut pas que ça abîme le dice et la plaque et tout ça. Mais de ce fait, je vais pas mouliner jusqu'au bout. Pour pas abîmer mon papier non plus. Je vais faire passer. Hop. Et je fais jamais en deux fois. Je fais jamais passer deux fois. Moi, dans la machine, elle coupe très très bien. Mais là, comme ça, je peux faire passer mon dice de biais. Et alors, est-ce que ça va remettre la mise au point? Voilà, vous voyez le petit embossage, tout joli. On pourrait aussi remettre ici l'embossage sur le papier, sur le petit bout qui nous reste. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir, ça va faire super. Joli. Donc là, j'ai la place, je mets deux biais. Et là, je passe qu'une seule fois. Et ça va nous faire une petite bordure redécoupée et re-embossée qu'on va garder pour la décoration.
bien pratique pour la décoration. Donc j'avais fait la découpe qui est normalement... Ah, mais j'ai changé de taille d'album. Voilà pourquoi effectivement je viens de réaliser... Bon, on va faire autre chose, c'est pas grave. Mes albums, en fait, ils étaient un tout petit peu plus grands et il me fallait deux feuilles de papier. Oui, c'est ça, arriver à ce qu'on veut avec ce qu'on a. Et en fait, là, j'avais fait l'album de la taille de la boîte de sardines. Exactement, de la taille de la boîte de sardines. Donc, ben, on va faire différemment. On ne va pas mettre la boîte de sardines, on va en mettre qu'une moitié. Ça peut être aussi très sympa de modifier la déco. Qu'en dites-vous? Oui, ça va être très bien. Ça va être très très bien. Voilà. On va coller le fond du mini. Voilà, comme ça. Dans le centre à peu près. On va en faire deux déco. On va en faire une grise même. Ça peut être sympa, oui. Donc la page là, elle faisait 9. Oh oui, Chantal. Oui, le bleu, il est très beau. Je sais que vous l'adorez, le bleu. Donc la découpe, elle faisait 9. Oui. On va faire 8-6. Ici ou là, on va mettre comme ceci. Alors après, on peut mettre du papier blanc. Là, je vais mettre de la décoration, mais on peut mettre du papier blanc parce qu'il y a les photos. On a dit qu'on allait mettre des petits poissons. Là, on fait attention au sens. Voilà. On va en mettre deux poissons. Je vais couper les angles ici. D'ailleurs, ça sera des endroits où on va mettre les photos. Ah, on a le derrière aussi à faire. On va mettre le derrière là, avec les poissons. Ça ira très bien. Et là, on va mettre du blanc. Et là, on va faire la déco. Et ici, on va choisir de remettre les petits hameçons. Pour la taille, c'est pas grave. Non, c'est pas joli. Ah, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je vraiment d'avoir pris le corail calypso, ça me fait. Oui, bien sûr, Evelyne, il n'y a pas de souci. Tu pourras reprendre en replay. Voilà. Allez. À l'intérieur, on mettra du blanc, ça fera plus joli. Et celui-ci, on va le raccourcir parce que je pense qu'on l'avait raccourci. Et hop. J'avais dit 11. On va faire 17. Voilà. Donc, on va faire les angles, soit avec la perforatrice, soit avec les ciseaux. Hop, voilà. On va pouvoir y mettre une photo, donc c'est juste pour décorer.
celui-ci. J'ai oublié de faire les angles pour les petits poissons. Donc, vraiment, en mettant les poissons, ça fait aller à la pêche. Ben, si vous aimez bien cette couleur, donc je vais faire un petit rappel ici avec ma découpe qui est décorée. Je trouve que ça fait joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord embossé et découpé pareil qu'en haut, ça fait plutôt mignon. À l'intérieur, il y aura des photos, donc pas forcément besoin de décorer. Effectivement, il s'ouvre le... Ah, je n'ai pas mis le derrière. Le... Comment ça s'appelle ? Le ruban n'était pas forcément du luxe, mais on va trouver une petite astuce, peut-être. Est-ce que... On a dit qu'on allait faire une petite déco plus comme ceci. Donc je mets de la colle un petit peu. Hein. On pourrait, pour se faciliter le travail quand vous préparez vos découpes, mettre du... de l'adhésif tout fin là qu'on a pour les lettres. Hop. Soit on peut même le faire aller sur l'autre côté si on veut. Je trouve que j'avais pas mis de colle, je vais le couper. Voilà. Et par contre, il faut être un petit peu plus. J'ai envie de vous dire. Je vais rajouter ici pour que ça soit plus. Net. Alors soit vous prenez la colle de précision avec l'embout tout fin, faut juste faire très attention à ce que vous la refermiez bien. Ah, j'en ai trop mis bien directement de suite après, sinon avec mon outil touche à tout, je vais enlever l'excédent. Je vais mettre un peu partout. J'aime bien cette petite spatule. Tout est utile dans l'outil touche à tout. Il porte bien son nom. Ceci. Voilà, et ça nous fait une toute petite boîte, plus petite. Et c'est vrai que le ruban, ça aurait été mieux de mettre un ruban, je sais pas, pour voir si on trouve quelque chose de sympa à mettre. J'ai une idée.
Oui, c'est la couleur de Nemo. Oui, c'est ça. Donc, allez. Il nous reste là, bon, vous mettez du blanc pour mettre vos photos. Si vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez mettre de la couleur. Et on va faire un peu des décorations. Donc, est-ce que j'avais pas une petite boule? Alors, j'étais pas du tout partie sur la pêche. Hein. Je vous rappelle que j'étais partie sur le voyage. J'étais partie sur le skateboard. Donc le skateboard, on va le laisser tomber. Mais par contre, le sac à dos, je le trouve très sympa. Souvenir de voyage et les mots du set de tampons, je les trouve assez sympa. Et cette petite boule là, on va l'utiliser. Alors, on va prendre explorer. On va prendre le sac à dos. Et souvenirs de voyage. Voilà. Donc dans notre découpe, ça nous fait des petites étiquettes très sympas. Alors on peut pas toutes les utiliser, mais on peut en utiliser une pour souvenirs de voyage. Je crois que ça rentre. Oui. Et j'hésite à faire en gris ou en corécalypso. On va voir. Et je vais tamponner sur du papier comme j'ai fait la découpe du très vanille. Voilà. J'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Hein. Je cherche mes mots. Je sais pas vous, mais la chaleur m'accable. Donc on va en faire un en corail calypso. Oh, c'est beau en corail calypso. Oui, c'est très très beau en corail calypso quand même. Je cherche mon tapis pour nettoyer. Ça commence à être un petit peu le bazar, vous ne trouvez pas sur mon plan de travail? J'ai sorti beaucoup trop de papier. Allez. Ça, c'est nickel. On range ça. On range ça. Donc évidemment le sac à dos, ben, il va falloir le découper à la main. Il n'y a pas de. Mais c'est une découpe assez facile. Vous suivez à 1-2 mm. Du sac à dos, vous laissez un petit rebord, ça fait toujours joli. Ça évite, si on laisse un petit rebord, de si on n'est pas aussi précise, que ça se voit moins. Si vous découpez au ras du motif, il faut être hyper précis. Voilà. Mais ça va aller bien. Et peut-être par contre. Explorer et souvenirs de voyage, je vais les faire en gris. Ce sera plus joli. Oui. Qu'en dites-vous? Oui, elle est belle cette couleur finalement. J'aime bien vous montrer des couleurs différentes que je n'utilise pas moi-même. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à utiliser Corail Calypso d'ordinaire. Une bande de papier tout droit. Je vous mets au bord. Voilà. Je nettoie de suite, comme ça évite que tout soit. En bazar, je vais en faire une. Je vais en faire un quand même. Est-ce que j'en refais un autre en corail calypso? Oui, je vais faire deux sacs à dos en corail calypso. Ça fera sympa pour la déco.
Voilà. Oui, elle va donner un peu de peps à la création. Oui, c'est vrai, c'est la couleur de Nemo, Cora et Calypso. Je regarde quelle heure il est. Que notre live ne soit pas trop long parce que je fais des découpes. Alors, celle-ci, vraiment, vous pourriez la découper. Il y a la découpe dans le... Bon, après, c'est une boule. Il y a la découpe dans le kit. Est-ce que je vais plus vite que la machine? Je ne sais pas. Voilà. Et celle-ci, je vais faire une petite bande. Chute assez sympa là aussi, je vais les garder, je vais m'en servir pour la déco. Je pourrais découper des petits poissons. Comme tout est assorti, après c'est agréable. Alors on a dit, on va faire la couverture et on a dit que peut-être, bon, j'ai une idée un peu farfelu. Avec de la ficelle à rôti blanche, je vais faire une petite accroche pour fermer. Quelque chose de tout simple. Il n'y a pas besoin de garder. On va. Je vais mettre ça ici derrière. Donc. Avec un peu de... Oui, ça fait une petite découpe de moonboard. Cette boîte à sardines. Je mets ma ficelle à rôti ici. Je vais coller... comme ceci, ma petite boule de pêche. Alors, j'aurais pu mettre une petite boule de pêche, autre chose. Et là, je vais mettre le sac à dos. Je réfléchis. Et je vais le mettre en relief avec des mousses 3D. Voilà. Et je vais concentrer mes mousses 3D au centre du sac à dos. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Je le mets au bord comme ça et avec ma ficelle je pourrais fermer, voilà, mon mini album. Grâce, j'aurais pu mettre la petite boule aussi en relief et faire passer de chaque côté, mais ça ira, c'est pas mal ça. Et alors faut que je fasse attention parce que normalement je devais mettre des petits mots. Et bah, je les mettrai à l'intérieur. Souvenir de voyage. Je ne vais pas le coller en entier. Souvenir de voyage. Je vais le coller qu'au bord. Comme ça, je peux glisser ma photo. Ici, pareil. Je vais mettre de la colle qu'au bord en bas. Comme ça. Je vais pouvoir glisser ma photo quand je l'aurai découpée. Je pourrai la glisser dessous. Après, je peux la mettre aussi par-dessus. Je vais découper les bords. Comme... Ah, mais j'aime bien.
J'aime bien ma perfo qui fait des petits festons, tickets. Tickets de cinéma, c'est toujours très sympa. Hop. Donc, je la glisse à l'intérieur, je regarde derrière où je suis. Voilà, bah j'aurais dû mieux regarder parce que j'ai découpé un petit peu trop. Des fois, je fais un peu des bouboules, hein. Je vais mettre du 3D, c'est toujours joli. Oui, ça fait son petit effet. Et voilà notre album. Hop. Et c'est fermé. Donc une autre version différente, colorée. J'espère que vous aimez bien. Je cherche. La première version. Fais du large. Celle-ci avec le ruban qui n'était pas bien positionné. À mon goût, hein. Il n'y a pas de bonne. Donc il est plus petit celui-ci parce qu'il rentre dans une feuille, seule feuille. Sinon, ceux-là sont plus grands parce que la découpe de la boîte rentre en entier. C'est deux versions totalement différentes. Les tailles sont différentes. Et le rendu est différent du fait de... Voilà. Mais... Vous pourrez à l'intérieur y rentrer pareil des photos. Bon, là, il n'y a pas le papier blanc pour les photos, mais j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bien belle journée. Je vais ranger le bazar, si vous voyez. Alors, hop. Si vous voyez le bazar que j'ai mis sur mon plan de travail, je vous invite à partager cette vidéo si vous le souhaitez, à me mettre un petit commentaire ou une photo du projet que vous aurez réalisé avec grand plaisir. Véro, tu adores le bleu, tu aimes les trois. Oh là là, vous êtes... Oh là là, bah, super, super, super. Je suis contente que ça vous plaise. Je vous rappelle les promotions qui commencent demain, les exclusivités en ligne avec plein de nouveaux produits à aller découvrir. On se retrouve vendredi pour notre live créatif surprise. Peut-être que j'annoncerai ce qu'on va faire ou pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça alors que c'est le live surprise. Mais ça sera sur les nouveautés. Donc voilà, ça sera sur les nouveautés. Oh, bah super les filles, super, super. Bah, j'attends vos réalisations. N'hésitez pas, faites le plus grand ou plus petit. Là, vous avez la taille parce qu'il y avait la boîte à sardines, mais vous pouvez le faire d'une autre façon. Vous pouvez l'agrandir aussi. Vous pouvez utiliser une feuille entière. Voilà, il y a plein de... Quand vous avez le système, vous pouvez l'adapter à ce que vous avez chez vous et comment vous avez envie de le décorer. Donc, je vous dis à vendredi, on parlera des exclusivités en ligne et on fera une création à l'aveugle. Je vous mettrai sûrement le matériel pour que vous puissiez vous préparer si vous souhaitez le faire sous la dictée. Ça peut être sympa aussi. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, hydratez-vous et restez au frais si vous le pouvez. Je vous dis à vendredi. Bye bye!